And she's going to be doing our French presentation. So Michelle joins us. She's our next speaker. She's presently volunteering here at the Penetanguishene Public Library. She's taking the time to join us as well. And she's going to tell us a little bit of what she's done, how she's come about to be here today, and some of her struggles. Donc, Michelle est notre prochaine présentation. Et elle fera un petit randonnée de comment ça a commencé sa vie en carrière, comment elle s'est rendue ici aujourd'hui et toutes ses démarches. Il faut vraiment lui donner une main d'applaudissement parce qu'elle a tellement accompli jusqu'à ce point-ci. Donc, je donne la parole à Michelle. Est-ce qu'elle est prête? Oh, I have to unmute her. Oh, just a minute, everybody. I'm so sorry. She's under Michelle, c'est ça? Just one moment. We have so many. We have 48 attendees, so I have to find one person because she's attending the entire thing. There she is. And so please say okay. And there we go. Donc, je donne la parole à Michelle. Talk loud. Alors, Michel Perrault, je suis francophone, native de Montréal, mais en Ontario depuis au-dessus de 50 ans. Et bénévole ici depuis 1999. J'aimerais commencer par raconter quelques petites anecdotes pour vous donner une idée du statut des femmes, telles que les gens de ma génération, ce qu'on a vécu. Vers le milieu des années 60, lorsque mon grand-père maternel est décédé, ma mère a dû obtenir la signature de son mari pour obtenir sa part de l'héritage. Puis quelques années plus tard, je me suis mariée et quittant mari en pays, déménagé en Ontario, à Ottawa pour être plus précise. C'était le début des années 70, la mode des mini-jupes. En hiver, à Ottawa, en mini-jupes, attendre le bus au coin de la ville, c'est pas chaud. Un groupe de femmes à l'emploi d'un organisme fédéral ont demandé la permission d'aller travailler en pantalon, de porter le pantalon. Pourquoi un jean, le fameux pantsuit, le pantalon intérieur? On l'a refusé, leur demande. Moi, je travaillais pour un autre organisme gouvernemental. On n'a pas demandé de permission. On a choisi une journée en particulier. On est tout le personnel féminin, on est arrivé en pantalon. Les patrons ont fini. Lorsqu'on a acheté notre première maison, l'hypothèque que la banque nous consentait était basée uniquement sur le salaire de mon mari. Parce que c'était entendu dans ce temps-là qu'une femme mariée, une fois qu'on fondait notre famille et on avait des enfants, on restait à la maison. C'était pas mal ce que je pensais à l'époque aussi. Ou plutôt, je ne retournerais pas travailler tant aussi longtemps que mon plus jeune serait à l'école à temps plein. Ben, j'en ai eu un enfant et je n'ai pas pu attendre aussi longtemps que ça. Après 3 ans et demi, on m'a offert un poste 3 jours par semaine. C'était tentant, mais il fallait trouver une gardienne. Et à cette époque-là, les gardiennes, les services de garderie, ça n'existait pas ou très peu, puis il n'y en avait pas du tout dans la banlieue où j'habitais. J'ai été chanceuse, j'ai trouvé des voisines qui, elles, avaient choisi de rester à la maison et qui s'occupaient de notre fils. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais des maux de tête. J'ai pensé que c'était l'amiante, peut-être. Il y avait de l'amiante dans les produits isolants dans ce temps-là. Mais non, c'était un sentiment de culpabilité. Puis un jeudi après-midi, je suis allée chercher mon fils à la garderie, puis il avait l'air tout gris. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je ne reverrai pas Susan avant mardi prochain. Mais quand j'ai vu qu'il prenait ça comme ça, la culpabilité et les maux de tête ont disparu. Mais avant de pouvoir de travailler à temps plein, j'ai travaillé 3 jours par semaine à la maison, ensuite 4 ans, 3 jours et demi, pardon, 3 jours, 3 ans, 3 jours par semaine, ensuite 4 ans de la maison, puis ensuite retourner travailler à temps plein. Mais pendant que tu travailles, tu fais aussi des repas, lavage, repassage, ménage, dans mon cas, le jardinage, parce que entre la tondeuse et la balayeuse, jamais vu la tondeuse. Mais les dents ont changé. Aujourd'hui, quand je vais voir chez mon fils à Ottawa,
la planification des repas, la planification des activités, tout se fait à deux. C'est un travail d'équipe. La disponibilité de l'un décide qui va faire quoi. Au niveau international aussi, les choses ont changé. Je n'aurais jamais pensé voir une femme vice-présidente des États-Unis. Mais quand, après sa nomination, qu'est-ce qui a fait la manchette? C'est la robe qu'elle portait sur la page de couverture du magasin Vogue. Ça, c'est important. Apparemment, il y avait deux photos, l'une qui aurait dû être en page de couverture, puis l'autre à l'intérieur. Mais dans une échelle de 1 à 10, moi, je donnais moins 3. Sur un sujet encore plus important, beaucoup plus important, c'est les agressions dont sont victimes de nombreuses femmes, puis la violence conjugale. Les hommes sont accusés, ils sont acquittés. Il y en a même qui sont rendus à la Cour suprême des États-Unis. Qu'est-ce qui a fait la manchette récemment, pendant des jours et des jours? C'était le scandale Julie Payette. Apparemment, selon un rapport cinglant, Madame Payette aurait créé un environnement toxique. Elle aurait élevé la voix, elle aurait rabaissé ses employés. J'ai lu même que cet environnement toxique-là pouvait entraîner chez certaines personnes le syndrome du stress post-traumatique, des crises cardiaques et même des accidents cérébrovasculaires. Je ne dis pas que le comportement de Madame Payette soit justifié. Et je peux comprendre que passer d'astronaute à genre d'hôtesse officielle, ça ne représentait peut-être pas un gros défi. Madame Payette aurait dû soit pas accepter le poste ou démissionner plus tôt. Mais quand on pense à la réaction virulente dans les journaux, ça c'est même pas comparable avec ce qui se passe. On peut-tu s'imaginer l'environnement toxique qui doit régner auprès des prédateurs sexuels? Quand on parle de deux poids, deux mesures, ça c'est un bon exemple. Puis pendant tout ce temps-là, on est en pleine pandémie. Je vais faire une petite parenthèse. Les pays où les femmes sont chefs d'État, la situation est beaucoup plus organisée. Puis dans le contexte de la pandémie, moi je pense que les femmes portent une plus grosse part du fardeau. Quand on pense au domaine de la santé, c'est évident, les infirmières, préposées aux bénéficiaires, la majorité sont les femmes. Dans le domaine de l'alimentation, vous me direz que il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans l'alimentation, mais les employés de première ligne, ceux qui n'ont pas le choix, ceux qui font affaire au public, on les retrouve aux caisses. La majorité des gens qui travaillent aux caisses. Si ma mémoire est bonne, ça fait un petit bout de temps que je peux aller faire ici, mais c'est des femmes. Puis dans le domaine de l'éducation, si je me fie à ce que je vois quand on va chercher nos petits-fils à l'école, encore là, c'est des femmes. Il faut les aider, il faut les soutenir. Alors, si vous savez dans votre entourage des femmes qui essaient de combiner un travail stressant avec une vie de famille toute chambardée, on peut-tu les aider? Amenez-leur un contenant de sauce à spaghetti ou une autre de vos spécialités culinaires. Quand les restrictions vont être enlevées, allez chercher un de leurs enfants, allez le prendre une marche ou jouer dans le parc. Juste l'amener chez vous pour voir un film. Envoyez à votre voisine un courriel très drôle pour la faire rire. Ou simplement pour téléphone pour voir comment elle va. Pour qu'elle puisse se défouler. Il ne faut pas lâcher, il faut les soutenir. Attendez un peu, je perds son école. On a fait d'énormes progrès depuis 50 ans. Mais c'est pas fini. La bataille n'est pas finie. Un jour, je suis convaincue. On va gagner un salaire égal pour un travail égal. Notre tenue vestimentaire n'aura plus aucune importance. Les comportements inacceptables sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Ou le fait qu'une femme atteigne un poste de prestige, ça va être tout à fait ordinaire. Et où les prédateurs sexuels seront arrêtés, accusés, condamnés et surtout beaucoup moins nombreux. Il faut continuer de lutter. Éduquer nos jeunes, nos filles et les garçons. Nous sommes la moitié de la population. Nous méritons l'égalité à tous les niveaux. Mesdames, bonne année internationale de la femme. Merci Michel pour la super belle présentation.